est ton nom complet à l'état civil ? Je m'appelle Gisèle. Je dis pas tout le nom, mais bon, voilà, ça va. Je m'appelle Kwaku Koto Gisèle. Tu es né quand ? Le 8 août 1900. Le papier de maison vient d'ouvrir. Gisèle, combien de frères et sœurs as-tu ? 6 sœurs et 4 frères, je pense. Ça doit être ça. Dans la famille, je suis la quatrième. Parle-nous un peu de ta famille. J'ai grandi à Yamoussoukro. Quand j'étais petite, on m'appelait Gisèle, tout simplement. Ça sera tellement... J'ai l'impression que je travaille... C'est du wesh. 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 Toi, je t'ai ramené un truc. Ah ouais, quoi? Wesh. Quoi? Un peigne de sugar. Attends, je te fais une photo. Attention, c'est dangereux. Quel est le clip qui te rappelle ton enfance? Étant petite, j'ai beaucoup aimé Kadjanine. Kadjanine, elle chantait Sambolera, je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Parle-nous un peu de cette pièce de théâtre, Drôle de femme. Drôle de femme, c'est d'abord l'éducation de la jeune fille. Voilà, et l'idée est de Caroline Da Silva. Et Drôle de femme, je veux pas glisser dessus au fait. Je veux parler de quelque chose qui m'a marqué dans Drôle de femme. Par exemple, je vais donner un exemple tout court. J'ai causé avec un de mes oncles qui me disait « Attends, vous parlez de tontine sexuelle, vous parlez de busy. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que... » Au fait, il n'était pas au courant. Il connaît pas ça. En venant regarder Drôle de femme, il a pu se rendre compte qu'il y a des choses qui existent, mais qui sont pas forcément connues des parents. Et ça l'a aidé dans le sens de parler à sa fille, quoi, à sa grande fille. Et c'est pour ce genre de choses-là que moi, Drôle de femme, c'est un waouh pour moi, quoi. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Quelles sont les différentes comédiennes qui jouent dans Drôle de femme ? Dans Drôle de femme, d'abord, il y a les colantières et il y a les pagneuses. Donc, les colantières, il y a moi, Gisèle Kwaku, il y a Alissa Azena, il y a Priscilla Desgameuse, Jennifer Kissi et Nice Zounion. Et pour les pagneuses, il y a Gbazé Thérèse, Lupita Taï, Nasto Traoré, Clé Clé. Et pour le milieu, il y a la savante, Ella Justine. Voilà. Comment as-tu été contactée pour participer à ce projet ? J'étais tranquillement à la maison en train de dormir. Et j'ai reçu un appel de Madame Da Silva qui me disait qu'elle avait un projet et qu'elle voulait que je joue dans ce projet-là. Au début, j'ai pas tout de suite capté. J'ai pas tout de suite voulu parce que être actrice et puis comédienne, c'est deux choses différentes. C'est pas facile de faire le milieu là. Donc je voulais pas au début. Et après j'ai réfléchi. Quand j'ai vu le thème, ça m'a marqué. Quand j'ai vu le conseil que ça pouvait donner à mes jeunes sœurs, ça m'a marqué. Je me suis jetée dedans tout de suite. C'est ça. Et comment passe-t-on d'actrice à comédienne ? La difficulté, c'est que être actrice, c'est devant la caméra, tu joues, si tu flashes, on peut couper, on peut reprendre. C'est pas du direct avec le public. Alors que une comédienne, tu as arrêté devant le public, tu joues. Si tu as zaï, c'est en direct, il n'y a pas coupé, reprené. C'est un peu ça. Donc là, c'est toi et puis ton public, quoi. Non, mais je ne peux pas verrer comme ça. j'apprends toujours. Mais je veux dire, comme j'aime le truc, ça peut venir. Sinon, je ne suis pas encore comédienne. Si je pouvais voir tous les visages, nous avons eu droit à un public très sélect ce soir.
Merci pour la confiance. J'ai beaucoup apprécié, par contre, Gisèle. Je trouve qu'elle a quelque chose de particulier, cette dame. Gisèle, pour moi, c'est l'actrice que je ne connaissais pas, que je découvre et qui va aller très loin, à mon avis. La voix de Vincent.